wat is eigenlijk hier zo belangrijk in al die verschillende ploegen waar ik gespeeld heb, is betrokkenheid voelen. Dan is je engagement veel hoger. Dan ga je dat extraatje willen doen voor dat team. En dan komen er ook resultaten. Aujourd'hui, à 27 ans, quand je regarde à l'âge où j'ai commencé et maintenant, je me dis, ouais, le basket m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et pendant que je jouais, je ne voyais pas, mais aujourd'hui, je vois ce que ça m'a appris. Ça m'a appris à tomber et à me relever. Pour moi, c'était déjà mon premier hobby. La sphère était gewoon op dat eerste moment gewoon iets. Dat is geen tennis, je speelt niet alleen. Als de sfeer goed is, dan gaat je blijven. Ik ben nu 23. Ik heb sinds dat ik 16 ben opleidingen gedaan. Animatorcursus, scheidsrechtercursus. En ook, we zijn nu bezig met start-to-coach. Molenbeek Rebels is een basketbalclub, een sociale praktijk, waar meisjes eigenlijk de kans krijgen om zich te ontplooien, te groeien en eigenlijk hun competenties te proberen en verder te ontwikkelen. Als we kijken naar de inzet van de meisjes, hoeveel meisjes er blijven doorstromen in het traject. Meisjes die coach worden, die scheidsrechters worden, die meehelpen in de cafetaria of zelfs meehelpen in het bestuur en dat ook blijven doen. Dus ik denk wel dat dat een traject is dat werkt. Je ziet ook dat die meisjes zich heel goed voelen. Ze hebben geen schaamte of zo tussen hen. De meeste coaches en scheidsrechters of coördinatoren die we hebben, zijn allemaal uit eigen jeugd. We hebben ook de categorieën, zoals on a dit, buurtbasket, Mama Academie. Dus er zijn ook mama's die komen basketten elke zaterdag. Oh, c'est cool ça. Ouais, une petite heure, il y a des mamans qui viennent s'entraîner. Et elles ont une ligue, enfin un championnat à elles? Non, pas encore. Mais c'est vraiment ça un début. Et il y a quand même déjà quelques mamans qui viennent, qui participent et qui kiffent. Et tout ça, c'est entraîné par vous deux? Non, on a d'autres coachs, mais ça fait pas... Moi, je suis coordinatrice des coachs, en fait. Ok. Le basket, ça a été quand même une deuxième famille pour moi. Je sais qu'il y a peut-être des filles qui vivent la même vie que j'ai vécue ou des situations similaires. Et je me dis que c'est bien d'avoir ce genre de club où on peut se dire, voilà, c'est ma famille, je pourrais revenir ici et ça sera toujours la maison, quoi, en fait. C'est chez moi, je me sens moi, c'est l'endroit où je peux être moi à 100% et que ça soit dans les bons comme dans les mauvais moments, cette famille sera toujours là, en fait. Une bonne ambiance et un bon vibe, c'est ça qui est important, quoi. Donc gardez-la, quoi qu'il arrive et... J'espère qu'en dehors du terrain, vous êtes aussi des bonnes amies, c'est important. Het succes met de nationale ploeg, het Europees kampioenschap in 2017, waar we terugkomen met onze bronzen medaille, is echt wel een keerpunt geweest. Waarin ik voelde, kijk, ik heb al een hele lange carrière op dat moment ook gehad, een internationale carrière, maar de aandacht die ik nu krijg, vooral hier in België, was toch wel van een ander niveau. Hattie en ik, we hebben het geluk gehad om voor de nationale ploeg te kunnen en te mogen spelen. We hebben heel wat aandacht dikwijls gekregen, maar eigenlijk willen we die aandacht teruggeven aan jullie, omdat jullie ongelooflijk veel mooi werk doen. En vandaar dat ik jullie ook deze medaille graag zou willen overhandigen. Alsjeblieft. Ik denk dat Dina het mag overhandigen. Ja, zo, echt over. Dank je.